Et salut à tous, c'est Axi, j'espère que vous allez bien. Déjà, bonne année à tous. Bah ouais, on est mi-janvier, mais c'est la première vidéo de 2020, donc bah voilà. J'espère que vous allez kiffer votre année, et puis c'est tout. Bon, je vais pas vous mentir, clairement, pas simple de trouver quelque chose pour une vidéo de Destiny 2 en 2020. J'ai pas touché le jeu pendant 2 semaines entre Noël et le début d'année, et sérieusement, depuis, j'ai juste fait la quête exotique. J'ai vraiment rien touché sur le jeu. En vrai, à la base, je voulais faire une vidéo pour parler de Destiny 2 en free to play et du fait que pour moi, c'est le mieux aujourd'hui, vu ce qui est proposé dans la saison 9 actuellement. Mais en fait, bah, la grosse flemme. La grosse flemme de le faire. Du coup, je vais juste faire du blabla de début 2020 parce que, en fait, le seul truc qui me motive, bah, c'est vous, les gens qui me suivaient, les gens qui regardaient les vidéos. Et j'avais envie de vous faire quand même une vidéo en début d'année, mais voilà. C'est tout quoi. Donc en fait, pour dire la vérité, je suis dans ma phase d'ennui sur Destiny. Comme j'ai déjà expliqué, avec Destiny, j'ai des phases où je joue beaucoup, genre fin de l'année dernière, et des phases où je me fais chier clairement sur le jeu, et c'est ce qui est en train d'arriver en ce début d'année. Donc ça a commencé pendant mes vacances en fait. J'ai voulu suivre un peu l'actualité du jeu pour pas être perdu à mon retour. Mais sérieux, quelle actualité? Il s'est rien passé. Même les ricains, dont certains, faut quand même le rappeler, c'est leur métier de suivre Destiny, de parler Destiny, de faire du live sur Destiny, ils savent plus quoi pondre sur le jeu, tellement on se fait chier. C'est un truc de dingue. Les seules vidéos intéressantes qu'il y a eu pendant les vacances, c'était des vidéos d'exploits de bugs et de glitch. Et mon dieu, il y en a eu en 2 semaines. C'est quand même incroyable qu'encore aujourd'hui, on arrive à voir autant de bugs et d'exploits, quoi. Bref, sans rire, la saison 9, elle est claquée. Elle est vraiment claquée, c'est incroyable. Il y a trop de trucs qui m'énervent, j'arrive plus à profiter, en fait. J'arrive plus à profiter du jeu. On veut nous proposer plein de choses, mais il n'y a rien qui aboutit. Juste le pass de saison, déjà. Et la montée en niveau de celui-ci. En gros, la saison est liée au cadran solaire. On est d'accord là-dessus. Déjà, de base, je suis pas fan de l'activité. Mais là, avec l'événement de Noël, tu te retrouves à faire des contrats pour fabriquer des gâteaux de merde, comme l'an dernier, soit dit en passant, y a rien de nouveau. Et c'est ce qui te permet, au final, d'XP le plus rapidement sur le pass. Sérieux, il y a quelque chose que je comprends pas dans le jeu. Bungie, ils font une saison basée sur une nouvelle activité, et au final, qu'est-ce qui te fait avancer dans ton pass saisonnier? C'est pas l'activité. C'est faire des gâteaux, et c'est farmer encore les contrats de la lune, enfin les contrats classiques, on va dire, comme sur les saisons précédentes. Moi, il y a un truc qui m'échappe. Au lieu de faire quelque chose qui est vraiment lié à la nouvelle activité, bah non, c'est pas le truc qui te fait XP. Moi, il y a vraiment quelque chose que je comprends pas. Ça a pas de sens. Ça a vraiment pas de sens. Je trouve ça abusé, quoi. Donnez pas de nouvelle activité à ce moment-là. Surtout pour nous pondre, en plus, nouvelle activité. Enfin, le mot, il est fort, quoi. On nous pond un copier-coller de quelque chose qui existe déjà. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut... J'en sais rien, moi. Se concentrer sur l'histoire, par exemple. Ça, au moins, c'est intéressant. Mais pareil, c'est trop court. On n'a rien à se mettre sous la dent. On a des brides. À un moment, faut choisir. Là, au final, on nous propose plein de petits morceaux de plein de trucs, mais c'est tout. Donc au final, c'est chiant. Comme si tu vas dans un resto et on te propose plein de miniardises. Des petits trucs à bouffer, bah tu repars, t'as la dalle. Et bah là c'est pareil, t'as plein de petits trucs, mais à la fin t'as la dalle. Comme si tu jouais, je sais pas, à une bêta. Franchement c'est bizarre. Clairement je m'étais un peu calmé en fin d'année sur Bungie. Ça allait mieux. Mais là, début 2020, ce jeu, il me rend encore une fois complètement dingue. Je comprends pas où va Bungie, je comprends pas où va le jeu. Genre la quête exotique de la semaine dernière. On en parle? Bah non, on en parle pas, parce que c'est nul. C'est nul! Autant nous donner l'arme tout de suite! Alors oui, le lore est bien, mais encore une fois, c'est trop court! C'est beaucoup trop court! Limite, moi, j'aurais préféré une petite mission sympatoche, sans forcément cette arme, juste avec du lore. Vous faites pas l'arme, vous faites un peu plus de lore. Des armes, on en a plein déjà! On s'en fout! En fait, on veut nous proposer plein de contenu, mais mal foutu, ou pas terminé, ou bâclé, juste histoire de... Voilà, on vous propose quelque chose, les gars, restez sur le jeu, on vous donne des trucs. Sérieusement, à ce rythme, les gens, ils vont se désintéresser du jeu, c'est certain. Le jeu est sorti en 2017, faut quand même... Enfin voilà, Destiny 2 en 2017. Ça fait un moment, faut trouver des nouvelles idées. Faut arrêter de faire du neuf avec du vieux. Les joueurs sont pas que des cons non plus. Faut pas l'oublier quoi. Bungie, il s'obstine à vouloir pondre des nouvelles activités.
Mais pourquoi faire? Ça fait je sais pas combien de temps que tout le monde demande le retour du jugement, par exemple. Eh ben, donnez-le, bordel! Il était là, pourquoi l'avoir enlevé? Concentrez-vous, j'en sais rien, moi, sur faire avancer le lore, par exemple, avec des missions cool, et arrêtez de pondre des modes de jeu merdiques qui sont des copier-coller d'autres modes de jeu. Redonnez le jugement, les gens, ils vont jouer là-dessus, ils vont se marrer dessus, ça va occuper grave du monde pendant beaucoup de temps, étant donné que c'est du PVP, ça occupe, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui occupe, et pendant ce temps, vous vous concentrez sur faire du neuf, soit sur de l'histoire, soit sur un vrai nouveau mode de jeu, mais voilà, concentrez-vous sur quelque chose de nouveau, arrêtez de faire du neuf avec du vieux. Autre chose, par exemple, moi qui me fait grave chier, mettez les raids farmables, qu'on puisse faire ça 10 fois par jour si on en a envie, qu'est-ce que ça peut foutre? Pourquoi limiter le nombre de fois où tu peux loot à la fin de ces putains de raids? Parce que t'as peur que les joueurs se barrent quand ils auront tous récupérer le 1000 voix? Bah, peut-être qu'il faut à ce moment-là tourner le problème dans un autre sens. C'est peut-être que le contenu HL du jeu, il est pas à la hauteur. Et le brider par des moyens artificiels, bah, pour moi, c'est pas une bonne solution, à mon avis. Bref, en fait, à la fin, les joueurs vont arrêter de payer pour des saisons où il y a rien dedans. Franchement, c'est sûr et certain. Honnêtement, si j'avais pas pris la version Deluxe de Bastion des Ombres, je pense pas que j'achèterais les prochaines saisons. La saison 8, là, on savait pas trop parce que c'était tout mélangé avec Bastion des Ombres. Là, clairement, la saison 9, c'est abusé. Il y a rien à faire. On s'ennuie de ouf. En plus, au final, ce qu'on a en plus lorsqu'on paie, c'est pas intéressant. Les joueurs qui ont pas payé, ils ratent rien sur cette saison, sérieusement. Ils ont accès à une bonne partie du lore, ils ont accès aux événements de saison. Sérieusement, pour eux, c'est cool. Ils ont même eu une arme exotique gratos qui est pour l'instant, je trouve, la plus sympa à jouer. En fait, je crois, tout simplement, clairement, personnellement, que j'ai le seum de me faire niquer ma thune par Bungie sur Destiny. Clairement, voilà. Je pense que je vais juste continuer pour le moment à faire des vidéos blabla sur le jeu. Bon là, j'étais un peu chafouin, on va dire. Mais pour le moment, voilà, je vais pas trop jouer, en fait, à mon avis. Parce que clairement, le plaisir, il y est plus. Il n'y est plus de jouer. Il faut quelque chose de neuf. Il faut quelque chose qui donne envie de jouer. J'étais plutôt enthousiaste avec la saison 9, avec le lore du démarrage. Mais là, je vois pas comment on va tenir jusqu'à la fin. S'il y a rien de plus que ce qui est annoncé pour le moment, clairement, on va se faire trop chier. Donc voilà. En tout cas, merci à ceux qui sont toujours là en 2020. On va pas lâcher le jeu parce que au fond, on l'aime. Mais franchement, c'est pas simple. C'est pas simple de rester dessus, quoi. Il fait kiffer, mais là, clairement, je pense qu'il est dans le creux de la vague. Et il va falloir quelque chose un peu pour booster, parce que ça me fait un petit peu peur. Voilà, sur ce, moi, je vous dis, portez-vous bien. On se retrouve certainement pour de nouvelles vidéos, mais plus en mode blabla, pour parler de ci, de ça, sur le jeu. Mais rien de... je pense qu'il n'y aura rien de sérieux pour le moment. En tout cas, merci d'être là pour ceux qui sont revenus en 2020. Un grand merci à vous, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!